puisque ça les transfigure. De la découverte de la première des tapisseries Bilbo. Je crois que nous revivons encore de façon évidemment différente aujourd'hui, mais on appréhende encore mieux ce que ce projet représente en termes de redécouverte d'un certain savoir-faire qui a existé dans les années 30 ici à Aubusson et à Felletin, avec des couleurs toujours dans cette gamme de douceur pour nous plonger dans cet univers assez fantastique des récits de Tolkien. Je reste épaté par ce travail artisanal, ce doigté, ce savoir-faire. Ça reste quelque chose pour moi impressionnante et qui, à une époque très numérique, très virtuelle, voir du travail concret, savoir que la laine a été choisie, qu'elle a été teintée. C'est un travail de longue haleine, de patience, et ce rendu des dessins que j'ai vus, qui sont des aquarelles généralement, et qui sont au format A4 maximum, de les voir rendus à cette échelle, ça leur rend plus qu'hommage, parce que ça les transfigure. Je vous salue de la part de mon mari, qui ne peut plus voyager, il a presque 94 ans. Il est particulièrement touché par ce projet qui est consacré à l'art de son père. Je crois que c'est le premier, peut-être le seul, qui a jamais été proposé, uniquement dédié à son art graphique. I think the great thing about this project is I think it's unique. I don't think anyone else has done something like this before, and I think that it has huge potential in shining a light on JR as an artist. It's lovely to see these essentially very small drawings taken onto such a scale, because that allows us to see the detail and also get the magic of it, and almost you can feel you almost enter his world when you see these very large-sized tapestries. On vient de vivre un moment historique parce que ce rapprochement entre Tolkien et puis la tapisserie d'Aubusson, ce n'était pas quelque chose d'évident au départ. Vous savez, si on avait dit il y a quelques années qu'on allait procéder à ce type de rapprochement, personne ne l'aurait cru. Un rapprochement entre un savoir-faire qui a 5 siècles et demi d'existence derrière lui, et puis d'autre part un maître de la littérature de fiction, de l'imagination, c'est-à-dire Tolkien. C'est un moment magique parce qu'on sent bien toute l'émotion qu'il y a dans ce moment où les lissières et les lissiers vont découvrir leur travail. Vraiment, j'étais extrêmement fière aussi que l'Union européenne soit associée à ce type d'œuvre d'art. Je crois que mon beau-père avait travaillé directement de la palette, de sa boîte de couleurs, sans mélanger. C'est pour ça que les couleurs sont tellement pures et pas très sophistiquées, mais ce qui sortait de la boîte. Les trois pièces liées à Noël, c'était quelque chose de plus familial et de plus intime. Oui. On est sur un tissage beaucoup plus fin. Mm-hmm. Qui sera dans cet esprit plus intimiste, pour respecter un peu l'idée, et donc une taille un peu moins monumentale, mm-hmm. pour être excellent. Plus dans l'esprit familial de ces dessins-là.